Les gars, je voulais vous faire un petit update quand même pour vous tenir un peu au courant de l'avancée des choses avec Inda. Je suis rentrée dimanche soir chez moi et depuis, on se parle vite fait par message. Mais bon, comme avant, on était tout le temps H24 ensemble, là, le fait que je lui ai mis vraiment carte sur table, le fait que voilà, moi j'ai besoin de réponses, que j'ai besoin de savoir, ça a mis un petit froid. Mais je pense qu'il est en train de réfléchir de son côté et vraiment se remettre en question aussi lui-même. Et je trouve en vrai c'est une bonne chose, voilà, pendant cette semaine, comme ça il va bien prendre conscience que voilà, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Donc voilà. Donc on se parle, rassurez-vous, on n'est pas en embrouille ou quoi que ce soit. On se parle de temps en temps, mais bon, j'ai hâte qu'on ait vraiment. Enfin, j'ai hâte d'être fixée en vrai. Reculez les sorciers contre Uno. Je veux pas, je refuse. Recule contre Uno, les sorciers. Les gars, je vous dis, Muriel, j'ai cru comprendre ce qui frustrait Muriel, mais c'est venu du jour au lendemain et depuis elle est chelou. Une light skin, voilà, une light skin tout simplement. Elle est chelou. Des fois elle veut me parler, des fois elle veut pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je vous dis? Je sais pas. J'ai une théorie sur les métis, une nouvelle. Ouais, à chaque fois j'en ai une nouvelle, je m'en bats les couilles. En fait, comme c'est les plus belles femmes du monde, c'est les plus dures à comprendre parce que les plus belles choses sont les plus dures à avoir. Ouh! Quand je parle comme ça, c'est dingue. Donc, vu que les tismés sont considérées comme étant les femmes les plus surcotées, d'ailleurs tout le monde dit ah, les tismés elles sont incroyables et tout, eh ben, c'est pour ça qu'elles sont les plus bizarres et les plus cheloues à comprendre parce que justement, sinon c'est trop facile en fait. C'est trop facile si elles sont trop dards. Est trop facile à comprendre. Non, il fallait absolument qu'elle soit compliquée quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les tismés sont les meufs les plus compliquées, je pense, parce qu'elles font partie des plus dards. J'ai fini ma théorie. Mais toutes les femmes sont belles, évidemment. Blanches, noires, asiatiques, etc. Vous êtes toutes belles. Okay, je vous rassure, parce que vous allez me faire chier à faire les Anne-Sophie. Tu parles de ça, ça veut dire quoi les autres femmes? On n'est pas belles en fait? Donc voilà, Muriel pour l'instant elle boude. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui ai les Givenchy chez moi. C'est-à-dire qu'à tout moment, si elle fait la meuf qui fasse trop en mode. Ouais, j'ai la facture, je vais les rendre. Oui, Geoffrey! Oui! Elle les a toujours pas pris chez elle, elle a oublié, mais moi j'ai pas oublié. Voilà. Pendant que Ted il est en dépression, voilà ce qu'elle fait. Voilà les TikTok qu'elle met pendant que Ted il est en dépression. Elle met des coups de rein, du tafol. Sur la bite, elle se colle. Les frères, j'ai ma théorie. De toute façon, j'ai ma théorie, vous voulez pas m'écouter? Mais tu sais que c'est votre problème. Moi j'ai déjà parlé, j'en ai marre, je fais que de. Il nous fait le dépressif dans sa tête, il est dans un clip de R&B genre. Et il est trop. J'ai dans sa tête, j'ai envie de le gifler. C'est quoi cette tête de. Eh, commence à sourire s'il te plaît. Ouais, eh, gros sang normal. Commence à être normal et à sourire avec nous là. Dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour déjà. T'es un malin. Vas-y, rentre. Dis bonjour frère. Eh non, viens te chercher, tu fais l'ancien comme ça. Pourquoi tu fais le malin? C'est pas parce que ta meuf elle te fait de la dinguerie que. Eh, commence à sourire déjà. Commence à sourire frère. Ah, il est trop gênant. Eh, les gars, je vous jure, il est dans un état de fou. Il est gênant, frère. Bon, pourquoi tu ne dis pas bonjour? Vas-y, on commence à. Mais dis-nous bonjour. Comment ça roule? Dis bonjour. Est-ce que tu vois ça, mon ref? Regarde, pendant que toi, tu pleures, frère. Regarde ce qu'elle fait. Toi, tu fais le golon à pleurer. Toi, là, tu fais le dépressif. Elle danse, frère. Elle s'en bat les couilles. Gros, elle fait des danses, y a v'là les renois toi, comme... frère. Non, tu vas pas toucher. Il est parti chercher le big. Frère, il est trop gênant. Il est tellement gênant ce mec et il en joue. C'est dépressif. Sa poteau, hey, sa meuf, elle fait des lives, elle fait des TikTok. Bref, il est trop gênant, frère. Vous allez voir tout de suite, bref. Est-ce que tu vois ça, mon ref? Regarde, pendant que toi tu pleures, frère. Regarde ce qu'elle fait. Tu fais le golon à pleurer. Toi, t'es là, tu fais le dépressif. Elle danse, frère. Elle s'en bat les couilles. Gros, elle fait des danses. Y a v'là les renois, toi, frère. Non, ça. Ne laisse pas une femme t'affaiblir. Concentre-toi, jeune homme. L'amour est un sentiment éphémère, crois-moi. C'est une triste réalité. Frère, là, je viens de rentrer chez moi. À ma grande surprise,
Le PSG sont en train de perdre, mais je crois en la Sociedad, on va les baiser. On va vous baiser les Parisiens, arrêtez de faire les malins. Vous n'êtes pas impressionnant. Mbappé il a marqué, mais l'année prochaine il va à Madrid. Pensez à quelqu'un d'autre pour vous sauver dans les moments durs. Donc voilà, c'est parti les gars. Sociedad, on y va bleu. Soir de Ligue des Champions, tu nous fais le dépressif sous casque. Hein? Tu peux être un garçon normal s'il te plaît? C'est la Ligue des Champions, tu fais le mec qui dort là. C'est chaque année. T'as dit quoi? C'est chaque année, mais là c'est ouf. Eh vas-y, ça le suceur, voilà. T'as même pas envie de dire des trucs comme ça, une dégoûte. Eh non, regarde le match. Kylian Mbappé ne respecte pas le PSG, mais vous, vous continuez de twerker pour lui. Vous êtes comme une raclie, une meuf acquise qui sort avec un mec toxique qui la respecte pas, mais la meuf continue de donner son fiac. Le PSG, c'est pareil avec Mbappé. C'est-à-dire que vous, vous êtes la meuf, la meuf qui se fait disquette par un mec toxique qui s'en bat les couilles d'elle. Et à la fin, vous donnez quand même votre fiac à Mbappé qui s'en bat les couilles de votre club. C'est la vérité aujourd'hui. Mbappé n'en a rien à foutre du PSG. Il pense Real Madrid. Il dort Real Madrid. Je crois même qu'il se touche le sgeg Real Madrid. Son rêve est d'être un joueur du Real Madrid. Laissez-le venir au Real Madrid dès demain. Il s'en fout de jouer pour le PSG, il marque des buts pour ses stats, pour son ego. Je connais Kylian quand il joue, je sens... Oh, tu me dégoûtes! Tu me dégoûtes, Kylian! Ah! Tu n'es même pas un joueur du PSG, Kylian, arrête de twerker. Bonne nuit. Bonne nuit, moi je vais dormir. Regardez juste avec qui je dors ce soir, j'ai trop le seum. Et regardez dans quelle tenue il va dormir en chemise. C'est un tonton de Kinshasa. Pourquoi il dort en chemise? Le seul mec au monde, il dort chemise, casque. Bref, j'ai trop le seum de dormir avec. Ah, c'est trop triste. Ah, ah, ah.